Une petite chose de Richard Brautigan. Calendule. Mes amis se tracassent et m'en parlent. Ils parlent de la fin du monde, d'obscurité et de désastre. Je les écoute toujours gentiment et ensuite je dis non. Non, ça va pas finir. Ceci est seulement le début, comme ce livre est seulement un début. Carotte. Je pense que l'été de 1968 est un bon moment pour examiner notre sang et voir où nos cœurs dérivent, comme ces fleurs et ces légumes regarderont chaque jour dans leurs cœurs et verront le soleil reflété comme un grand miroir, leur désir de vivre et d'être beau. Fleurs indigènes de Californie. En cet été de 1968, avec le dernier tiers du XXe siècle qui voyage comme un rêve vers sa fin, il est temps de planter des livres, de les faire passer dans le sol, afin que fleurs et légumes puissent croître dans leurs pages. Laitue, le seul espoir que nous ayons sont nos enfants, et les semences que nous leur donnons et les jardins que nous plantons ensemble. Marguerite de Shasta, je prie pour que 32 ans après, fleurs et légumes abreuvent le 21e siècle de leur voix, racontant qu'ils furent jadis un livre transformé en vie par des mains chaleureuses. Pâtissant. C'est l'occasion rêvée de mélanger les phrases à la terre et le soleil à la ponctuation et la pluie au verbe. Et pour que les vers traversent les points d'interrogation et pour que les étoiles brillent sur les noms qui bourgeonnent et pour que la rosée se dépose sur les paragraphes. Persil, je remercie l'énergie, les dieux et le théâtre de l'histoire qui nous amenèrent ici, à ce moment précis, avec ce livre entre nos mains, comme pour rendre visite à l'avenir, au bas d'un corridor de verdure parsemé d'étoiles. Tapis royal de Corbeil d'Or, j'ai adoré vivre dans un monde où les livres sont changés en milliers de jardins avec des enfants jouant dans les jardins et qui apprennent les gentilles manières d'avoir la main verte envers toute chose.